Les amis, salam alaikum, madem Malou. Aujourd'hui, nous allons faire un kéké et poisson accompagné de yassa de petits pois. Bien noto kéké le kédi anigé, ani petits pois. Comme ingrédient, il nous faut un mako féminin au dabi, au lait, de poisson, gué, l'oignon, ani gaba, petit pois, ani petit pois, deux feuilles de laurier, ani laurier, fadafla. Notre bouillon de légumes, on a bouillon de légumes, gingembre en poudre, on a nyamakumu, demi-piment, on a frotto, trois gousses d'ail, on a l'ail kulusaba, un peu de poivron, on a poivron donné, et petit pois, on a petit pois, poivre, à quelqu'un évidemment, on a quelqu'un kulufla, à loco, on ne peut pas faire à quelqu'un sans à loco. Un peu d'huile de moutarde et l'huile pour la friture, un peu de persil et la salade de crudité, j'ai pris concombre, tomate, poivron rouge et vert, c'est tout. Maintenant nous allons ciseler notre poisson. On attend la guerre le matériel pour la frire. Sans dire ça, il en a rien à mettre. Mon poisson est déjà lavé. La guerre m'raba ma coula feu. Pour enlever la senteur forte de tilapia, pour l'atténuer un peu, j'ai mis un peu de vinaigre. Quand j'ai fini de vider, j'ai mis un peu de vinaigre et du sel. Après, je l'ai rincé. Car tilapia doba suma oula, ba suma doya fe no madine, et di, ebaba konomako la fe ou di, l'omunukumu ke ou bien vinaigre, ane koni. Après, da amasenanku, ou di doba suma la. Ok. Ça l'a ciselé. Okay. C'est très simple. J'aime bien quelqu'un avec petit pois quand j'étais enfant. Je préparais chaque fois. Et j'ai tenu à vous montrer. Traditionnellement, c'est pas comme ça, mais moi j'aime bien avec petit pois. Je tenais à vous montrer ça. Et maintenant, je suis en train de saler mon poisson. Il y a quoi les cakes à naguère là pour la frire. Sans de ça, il en a mis. Il y a quoi là. Il faut mettre du sel partout. Ça donne un bon goût. Après la friture, ça sera très savoureux. Ok. Après ça, nous allons la frire maintenant. Non, nous allons frire. Il ne faut pas jeter le poisson dans l'huile. Il faut bien poser. Sinon, vous allez me brûler. Alors, quand on a fait les trucs, allez, on va le donner. On va le manger. Maintenant, nous allons faire notre yassa. On va mettre un peu d'huile. Pourtant, on a yassa, yaba yassa, on a des gadias. On a un petit pois. On a tout le donné de cela. Je vais pas mettre beaucoup, un tout petit peu, environ 3 cuillères à soupe. Maintenant, je vais mettre l'oignon. Ah, Nyami, il ne faut pas trop chauffer l'huile, sinon vous allez enlever toutes les vitamines. Ceux qui disent qu'il faut chauffer l'huile jusqu'à la fumée sorte, ce n'est pas bien pour l'huile, c'est ce qui rend l'huile cancérigène. Boto, alkama, tout le kalayama. Voilà tout le vitamine de bonheur. Allez, dans la jangaro, nous faisons de la maman. Il faut juste chauffer à température normale, comme ça. Il ne faut pas chauffer jusqu'à ce que ça devienne noir. Ce n'est pas bon pour la santé. Ok. Allons faire revenir ça un peu comme notre poivron. C'est très simple. Il ne faut pas vous compliquer la vie. Gagneront toujours les choses simples, simples, simples. Un peu de laurier. Mouton braille. Alors que le tégal, le gagne, il est fait une belle le bon simple, simple, le dit. Tu n'as même pas besoin de temps pour ça. C'est une petite minute. Et un peu de moutarde aussi. Un peu de moutarde environ.
de l'écrire à la soupe. Faut pas mettre trop de moutarde. C'est ce qui change le goût des aliments. Alors qu'on a tout le bacard et à feu doux aussi. Nous allons mettre notre petit pois à la fin parce que c'est déjà que j'ai pris une petite boîte de petit pois. Alors quand on a petit pois, il faut le boudre à la tour, il y a d'abord, mais il en donne à prendre le petit pois. C'est très simple. Et pour ne pas vous ballonner, il faut mettre un peu de vinaigre. Alors qu'on a quand même fait un blanc à blanc, on a vinaigre donné un cadeau. Et maintenant, je vais rajouter un peu d'eau. Ok, laissez donner un peu d'eau, s'il vous plaît. Je vais mettre un peu d'eau. Un tout petit peu. Juste ce qu'il faut. Parce que c'est bon. Vous voyez, la quantité de, je ne vais pas mettre trop. Ça dépend de la quantité de votre oignon. Ok. On va attendre 3 minutes avant de mettre notre petit pois. En attendant, je vais assaisonner ma petite salade de crudité. Vous avez salade même assaisonner. Et s'il y a tout dedans, il y a poivre, il y a tout, il y a sel. Je vais mettre un peu. J'ai mis vous avez une salade même assaisonner. Il me fait un peu. Bon, après, je vais mettre un peu d'huile là. Un tout petit peu. Parce que on a eu la sauce de yassa. Et un peu de vinaigre. On a mis un tout petit peu. Un tout petit peu de moutarde. Un tout petit peu. On a une moutarde jaune. Je ne peux pas mettre beaucoup. Là. Et un peu de persil. Allez, persil d'aune. Tout est lavé. Hein. Quand vous lavez, vous le mettez dans l'eau et mettre un peu de vinaigre blanc là-dessus pour tuer les microbes. Avec ma couronne de hein, des sonnements de fépé. Alors, je vais faire le blague, 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 ça, un microbe, je vais faire le blague. Après, vous les coupez à votre convenance. On les mange. On les range. Et je vais garder au frais. C'est bon, ça c'est fini. Je vais garder au frais. Je vais passer à autre chose. Je vais prendre le frigidaire. Et vous le filmez. Et vous le mettez au frais. Bon, je vais assaisonner maintenant. Je vais mettre mon ail. Notre ail, l'ail est calé à l'eau. Ok. Et un peu de poivre aussi. Un poivre donné. Et un peu de persil. Et pas de rien. Il y a mal à la. C'est bon. Et un peu de persil aussi. Chérie. Yeah. Merci. Pour mettre un peu de persil. C'est très très simple, ne vous stressez pas. Et c'est très bon. Oui, il ne faut pas dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait à quelqu'un. Ça, c'est ma manière de le faire. Moi, j'aime bien comme ça. Maintenant, c'est nouveau. Nous allons mettre notre petit pois. Albraï. Abrasé, on met dedans notre petit pois, les cadiens. C'est très très facile, ça ne prend même pas de temps. Vous-même, vous allez constater. Juste à cause de l'explication, ça a duré. Sinon, en un clin d'œil, on finit ça. Mm-hmm. Ebraï, Abrabande est fait là. Parce que le petit pois est déjà cuit. Hein. Ça prend que 2 minutes maintenant du temps de chauffer le petit pois. Et puis c'est fini. Mm-hmm.
rouler. Et on la ferme. Il faut faire attention. Il ne faut pas avoir peur, sinon vous allez le trouver. Vous voyez, c'est bien fait. Après ça, maintenant, nous allons faire notre aloco tranquillement, tranquille. Aloco. Vous avez le connaître de l'Islande. Comme ça, je vous ai dit, vous voyez, l'huile n'est pas trop chaude. C'est pour bien cuire. Mais avec l'huile, même si c'est chaud, quand tu mets dedans, tu mets à feu moins. Voilà, de tibé, nous allons aller ta magie donne. Allez, qu'à la tout le calamandre et ta magie à le donne. Après, on le remet un peu pour ne pas que ça colle. Et nous allons mettre notre poisson sur notre petit yassa. Après, on donne, voilà, un peu qu'il s'imprègne le goût de notre petit pois. Avant qu'on finisse de préparer notre. Le reste de notre ingrédient. Ambra na gene la ya. Anja ne bante na fin tol da benna. Ok, notre boule da kieche. Anna keke. L'acide l'été. Moi je le mets au micro-ondes pour 5 minutes d'abord pour voir après si c'est pas bon. Après je augmente. Ok, na table de micro-ondes qu'on a chauffé. Il le faut. Vous voyez, 5 minutes ça suffit pour moi. Ça dépend des micro-ondes. Des fois, il y a des micro-ondes puissantes qui sont à 2 minutes, 3 minutes, ça dépend. Mais ce qui est vrai, il faut bien chauffer comme ça. Vous avez vu? Il faut faire comme ça. Et il faut écraser aussi. Il ne faut pas mettre votre main dedans, sinon ça, vous allez vous brûler. Il faut faire comme ça. Ok. Là. Allez à Kete Abrakalaya, Alba à Ketinga. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire même? Vous laissez 2 à 3 minutes pour que la chaleur là se dégage un peu et vous allez l'arroser avec un peu d'eau pour que à la fin ça ne durcit pas. C'est ce qu'on ne vous dit pas là. Si vous remarquez, ceux qui aiment Makeke, des fois quand vous achetez, c'est dur. C'est à partir d'ici que ça se passe. Vous mettez un peu d'eau. Vous voyez la chaleur là s'est dégagée. Vous mettez un peu d'eau comme ça. Vous l'arrosez un tout petit peu. Pas beaucoup. Hein? Un tout petit peu. Et si vous voulez mettre du sel là, à partir de là, vous mettez ou bien de cubes. Vous les mettez, vous mélangez. Après, vous le fermez. Andabala. Alors, il y a la même ta folle à l'ingé. Mais nous, quelqu'un d'amna. Quelqu'un d'amna, elle est. Et bah, là, quand. Et bah, qu'est-ce que ça, qu'on a. Ya to fonya kal wuyen kalama wuye bado après butu ede ginen taka fudufudal al de ginen taka fudufudal la tenga al de ginen fudufudal la ede ala mo ne afek ko kya la sina ne afek fe min kya le do kya do après baba wola ede adalantu sa ala bana kanaja min dam ne keke damna sino adiga aba pinke vous couvrez comme ça et vous le gardez à côté en petit pois poisson terminé et j'ai fini de griller ma loco braba loco fana il a nagé les petits pois braba avec salade de crudité. Bon, nous allons faire l'assemblage maintenant. Anato abladi appelé les connaissances pour vous montrer comment on nyam nyam. Vous voyez, c'est très simple. Je ne sais pas si c'est comme ça ou pas. Ok, tout de suite j'ai assemblé. Hello les amis, il est l'heure de la dégustation. Le goût de ça. Ouais, quelqu'un là à ma fin d'avoir le sentiment. On a quelqu'un ma fin avec il y a ça de petit pois, un peu de poisson et Allah. Invitation mes chéris, je vous invite un peu de piment, un peu d'aloco. Vous voyez, moi j'aime bien manger à quelqu'un avec la main. C'est comme ça. Faites comme ça. Faites du. Le goût de ça, c'est gaga. Oh, c'est magnifique. Commandez. Likez.